entre celle qu'on appelle affectueusement Maman Lucie et les femmes de Fougamou, c'est une histoire d'amour et de fidélité sans partage. Je remercie le chef de l'État aujourd'hui parce que ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est à cause du chef de l'État. Bonne année, Maman Lucie. Merci. Nous soutenons l'action du président de la République dans son ambition pour le Gabon. C'est au tour de ces mots que la sénatrice de la commune de Fougamou, Dr Lucie Milebo-Busson-Ipoz-Mboussou, a réaffirmé en présence du député du premier siège du département de Tamba-Magoti, Guy Bertrand Mapango, l'engagement et la détermination d'Ali Bongo Ondimba à œuvrer pour le développement du Gabon. Le président a gardé son ambition de faire du Gabon un pays émergent. Nous devons tous le soutenir. Ce message, elle l'a également porté à l'endroit des notables, des responsables politico-administratifs ainsi qu'aux structures de base du Parti démocratique gabonais de sa circonscription politique. Il a réaffirmé sa volonté à continuer à œuvrer, à travailler ensemble avec tous les Gabonais pour le bien-être des Gabonais et pour le développement du Gabon. Ce séjour a permis à l'élu de Fougamou non seulement de renouer avec sa base politique, mais aussi de partager un vin d'honneur avec les responsables politico-administratifs du département de Tamba-Magoti à l'occasion de la nouvelle année.